Nous voici arrivés à la sixième semaine de notre temps de méditation. Et ce sera notre dernière semaine de cheminement durant le carême. Et durant cette semaine, nous allons voir les psaumes royaux. Les psaumes royaux se répartissent en deux catégories. Les psaumes axés sur le règne de Dieu en tant que roi, et les psaumes axés sur le roi humain d'Israël. Les psaumes royaux utilisent le terme « oint » dans le texte. Ils évoquent le souverain oint par Dieu, le roi de la lignée de David, et la relation privilégiée qui le lie à Dieu. Ce mot sera plus tard prononcé « Messie ». Beaucoup de ces psaumes sont des prières pour la sagesse du roi, sa longue vie ou son succès au combat. Certains sont de nature prophétique dans la mesure où ils désignent également le futur roi idéal, le Messie ou le roi des rois. En ce premier jour de la sixième semaine, nous allons voir le psaume 2. Why do the heathen so furiously rage together? And why do the people imagine a vain thing? The kings of the earth stand up, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed. Let us break their bonds asunder and cast away their cords from us. He that dwelleth in heaven shall love them to scorn. The Lord shall have them in derision. Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure. Yet have I set my King upon my holy hill of Zion. I will preach the law whereof the Lord hath said unto me, Thou art my Son, this day have I begotten thee. Desire of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the utmost parts of the earth for thy possession. Thou shalt bruise them with a rod of iron, and break them in pieces like a potter's vessel. Be wise now, therefore, ye kings. Be learned, ye that are judges of the earth. Serve the Lord in fear, and rejoice unto him with reverence. Kiss the Son, lest he be angry, and so ye perish from the right way. If his wrath be kindled, yea, but a little, blessed are they that put their trust in him. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Le psaume 2 est un trésor de sagesse et de révélation
qui est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a des milliers d'années. Ce psaume, riche en images et en promesses, et s'adresse directement au cœur de ceux qui aspirent à une marche plus étroite avec Dieu, et nous met au défi de voir au-delà de l'immédiat vers les desseins éternels de Dieu pour son peuple et pour le monde. Ce psaume est profondément enraciné à une époque où Israël se trouvait à la croisée des promesses divines et des défis terrestres. Le psaume 2 est considéré comme un psaume royal. Cela signifie qu'il a probablement été écrit pour une occasion importante dans la vie des rois d'Israël. Ce psaume est également riche d'images et de prophéties. C'est une feuille de route pour comprendre l'autorité ultime de Dieu et notre place dans son plan. Le psaume 2 est pertinent et s'adresse directement à nos expériences et à nos défis, offrant une sagesse et des conseils intemporels. L'appel à la compréhension au milieu du chaos sonne vrai pour nous tous. Le psaume 2 nous rappelle que l'adoration est notre force et notre bouclier dans un monde qui semble souvent contre nous. En choisissant de faire confiance au plan de Dieu, en reconnaissant Jésus comme notre Seigneur et en cherchant refuge en lui, nous n'explorons pas seulement les défis de la vie, nous les transcendons. L'engagement dans la prière et l'engagement avec la parole nous maintiennent connectés à Jésus, garantissant que nous sommes toujours alignés avec son objectif. Il est clair que le chemin vers la paix, le but et la protection passent par la reconnaissance humble de la souveraineté de Dieu et l'intégration de son plan éternel dans nos pratiques quotidiennes. Portons alors ce message en partageant l'espérance et la confiance en Dieu que le psaume 2 nous indique. En enseignant aux autres la souveraineté et l'amour de Dieu, nous contribuons à diffuser sa parole et nous partageons la promesse du psaume 2 avec le monde. Prions. Père très aimant, la majesté de ton plan tel que décrit dans le psaume 2 me garde humble. C'est un appel que malgré mes efforts humains, ta volonté prévaut. Cette humilité façonne la manière dont j'interagis avec les autres et face à mes propres défis. Aide-moi à appliquer la sagesse intemporelle de ce psaume à ma vie, que je traverse chaque jour avec confiance, sachant que je suis aligné sur ton plan éternel. Par Jésus ton Fils. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, quelles mesures pratiques pouvez-vous prendre pour appliquer le psaume 2 dans votre vie? Deuxièmement, quel impact le fait de reconnaître Jésus comme votre Seigneur peut-il avoir sur votre vie?